Lycée Gigi à Montgipierre, comme une d'être jamais. Jour de rentrée scolaire. Contrôle obligatoire pour tous les élèves. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la rentrée. Madame la ministre voudrait bien que le cours commence ce matin. Le cours a bien commencé ce matin. Le procès est en place, ainsi que le personnel d'encadrement. Pour les nouveaux, la grande interrogation, c'est de connaître sa classe d'accueil, mais aussi de prendre connaissance de son emploi du temps. C'est une nouvelle aventure pour Awa et Abraham, admis en classe de 6e. Je ressens de la joie d'être aujourd'hui en classe de 6e. Je ne connais personne, mais je vais m'habituer. C'est un rêve pour moi d'être en 6e. Quand je vois mes camarades, ça me rend heureuse. Aujourd'hui, je suis venue apprendre. Je vais bien travailler en 6e cette année. Si Dieu le veut, nous tous, on va aller en 5e l'année prochaine. Changement de cadre. Le groupe scolaire Alphonse, dans le quartier des 220 logements. Premier jour en classe de CP1. La petite Aurélia est toute heureuse d'entamer cette nouvelle année scolaire. Ça va bien quand on est venu au CP1. Pour Mohamed, ce n'est pas du tout le cas. À peine arrivé, il a la nostalgie du cocon familial. Quelle ambiance à la maternelle. Si les plus grands ont déjà l'habitude, c'est une nouvelle aventure pour les petits nouveaux. Alors, on s'assoit pour manger. 304 708 élèves dans le préscolaire, 5 130 808 au primaire, 3 292 377 au secondaire, soit un total de 8 727 893 inscrits pour l'année scolaire 2024-2025 sur l'ensemble du territoire national.